أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je m'appelle Mohamed Ali Chebani de Mauritanie, de l'Afrique de l'Ouest. Je m'en vais faire un témoignage pour avoir vécu quelques jours au niveau de la ville de l'Aroui où j'ai eu à visiter la Zaouïa al-Karkaria. Ce témoignage, je l'ai fait pour Dieu, pour son prophète et pour tout ce que ça pourrait intéresser. J'ai eu en fait l'insigne honneur de visiter cette Karkaria après avoir entendu beaucoup parler d'elle dans les réseaux sociaux, au niveau de l'Internet et de Facebook. Il faut dire qu'auparavant, je suis imbibé un peu de cette culture soufie au niveau de plusieurs tariqas, la Qadiriya, la Shadiriya et la Tijaniya. Je connais un peu certains de leurs disciples, un peu de leurs chers. Je connais leur wird. Et donc, je suis imbibé de leur connaissance dans ce domaine. Et donc, à partir de là, je peux mesurer un peu la réalité de la tariqa Karkaria par rapport à ces autres tariqas qui sont toutes les tariqas qui aident le mouride dans la bonne voie de suivi de Dieu et de son prophète. J'ai eu donc l'insigne honneur de visiter avec mon grand frère cette Zaouïa à la fin de Ramadan 2019. Donc j'ai eu à passer quelques journées dans l'enceinte de cette Karkaria, avec les disciples de cette Karkaria, avec le cheikh de cette Karkaria, radiyallahu anhu, Sayyid Mohamed Houzi al-Karkari, jazahullahu khairan. Et donc j'ai eu à apprécier au détail la réalité de cette tariqa ou de ce chemin nouveau, avec son style, ses manières nouvelles pour se rapprocher de Dieu. Donc je puis attester que cette tariqa vous rapproche rapidement et vous rapproche de la route de Dieu et de la route d'Allah et de son prophète de façon très rapide par rapport aux autres cheminements. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu que ce cheikh, jazakallahu khairan, radiyallahu anhu, a eu. Grâce à la bay'a qu'il donne à certains de ses disciples, il vous injecte carrément la lumière divine qui vous permet de comprendre un peu le pourquoi de tout ça, le pourquoi de toute notre création, le pourquoi de tous les cheminements religieux, le pourquoi de toute notre vie sur terre. Et donc, dès les premiers instants, grâce à ce nour, à cette lumière divine, vous rentrez dans une sorte de j'allais dire d'extase, de compréhension plus ample un peu des données réelles et des motivations religieuses, le pourquoi de tout ça, les raisons de votre vie, de votre parcours, les raisons des injonctions de Dieu. Tout ça, vous rentrez dans une compréhension plus ample. Avec cette tariqa, vous comprenez plus, vous comprenez davantage et vous comprenez plus vite. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai senti
C'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'ai vu avec mes propres, enfin les yeux de mon cœur, si j'aurais dit, Aïnul Qalbi, c'est ce que j'ai vu avec, véritablement, j'ai pu en attester, Wallahu alam ana kulli shay. Ceci dit, je comprends parfaitement que certains puissent dire beaucoup de choses sur cette tariqa. Mais encore faut-il qu'ils la comprennent. Je conseillerais donc à tous ceux qui s'intéresseraient au chemin de Dieu, au chemin de son prophète, de se rapprocher davantage de ses chefs et de ses disciples pour comprendre vite et très vite la réalité de ce que c'est que l'ihsan, c'est-à-dire le fait d'être très proche de Dieu. De faire les injonctions de Dieu comme si Dieu était présent devant vous. Qu'Allah en tout cas, j'ai eu l'insigne honneur d'être honoré donc par la vision de cette lumière, le suivi des cours du cheikh émérite et de l'explication détaillée concernant les différents questionnements qui se posent d'ailleurs de toutes de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie et partout dans le monde et au niveau du Maroc. Donc le cheikh répondait de façon claire, nette, limpide, de façon clairvoyante à toutes les questions qui se posaient à lui et à tous les rêves. En définitive, je crois que je conseillerais à mes frères et à mes soeurs, tous, de s'enquérir d'abord de la réalité de cette tariqa avant de pouvoir en parler. Ceux qui viendront à Al-Aroui, ceux qui auront la chance de trouver le cheikh et ses disciples comprendront pourquoi ce message. Je crois qu'il y a lieu de rappeler de remarquer que les cours de ces cheikhs, les cours de ces cheikhs m'ont fait. M'ont donné l'impression qu'il s'agit d'un très grand érudit, qu'il s'agit d'un professeur émérite au niveau de l'explication de tout ce qui est coranique, de tout ce qui est hadith. Et il me rappelle un peu ce que j'ai eu à lire concernant les grands oulias de ce monde, Cheikh Abdelkader Jilani. Oui, Cheikh Abdelaziz Dabbagh, Abdeselam El Meshich, El Ghazali, Cheikh Ahmed El Tijani, Rahimahumullah Jami'an. Si on compare un peu leurs écrits, leurs poèmes avec ceux de Cheikh, il y a vraiment des similitudes qui ressortent immédiatement. Et c'est remarquable au niveau de cette tariqa. Allah.